Au Maroc, la Cour de cassation et la Direction générale de la Sûreté nationale ont signé mercredi 3 décembre un accord bilatéral visant à renforcer la coopération et le partenariat entre leurs deux parties dans les domaines scientifiques ainsi que l'échange d'expertise dans les domaines d'intérêt commun. Cet accord, selon les autorités marocaines, devrait permettre de définir les bases d'une approche participative d'échange d'expertise et de bonnes pratiques en matière de gestion des contentieux administratifs. Cet accord vient donner corps à l'interaction commune entre les deux institutions dictée par l'enchevêtrement des attributions de la DGSN en tant qu'institution chargée de l'application de la loi et la Cour de cassation en tant qu'organe judiciaire chargé d'assurer une application saine de la loi. L'accord entre la Cour de cassation et la Direction générale de la Sûreté nationale a pour objectif l'élaboration de programmes de travail conjoints dans les domaines de la coopération et de la communication scientifique, du renforcement des compétences et de la coordination en ce qui concerne la publication de la jurisprudence judiciaire et l'échange des publications en format papier et électronique dédiées par les deux parties. La Cour de cassation, en vertu de cet accord, met sa jurisprudence au service des l'élément humain à la DGSN. Alors, comme vous le savez, la DGSN s'est inscrite depuis déjà un certain nombre d'années dans une démarche d'amélioration des services, d'amélioration continue de ces services, notamment des services rendus aux citoyens. La signature de cet accord cadre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de partenariat institutionnel entre la DGSN et la Cour de cassation, lequel porte sur plusieurs domaines de coopération, en particulier l'accompagnement et la consolidation d'une stratégie de formation et d'échange d'expertise et de bonnes pratiques dans divers champs d'action administrative et judiciaire, de manière à renforcer la primauté de la loi, protéger les intérêts des fonctionnaires et consacrer la gouvernance au sein du service public.